Oula, je dois changer mon numéro. Je quitte New York. Les récents événements m'ont donné à penser. Pouvoir sauver Osborne malgré sa haine, ça m'a touché. Je dois rentrer chez moi et réfléchir à la voie que j'ai choisi de suivre. Merde! Je crois que vous allez me manquer, vous et vos troupes de la mort. Hélas, les troupes de la mort restent. Contrairement à moi, ils ne se posent pas de questions. Et Osborne continue à payer. Désolé. Ça a failli être une bonne nouvelle. Je sais. Vous et votre aide d'esprit me manquerez, Spider-Man. J'espère qu'on se reverra. Cette femme est vraiment bizarre. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 25. Comme d'habitude, on se retrouve probablement jusqu'à la fin du jeu ensemble. N'oubliez pas de prendre une petite collation et un petit plaisir. Nous avons un avertissement, c'est votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Bon bah voilà, ça confirme ce qu'on pensait. C'est la fin du jeu dès qu'on passe cette porte, le dernier épisode. Donc, installez-vous confortablement, on va modifier un petit peu son personnage. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Alors, niveau tenue, on a de nouvelles choses, évidemment, mais on ne peut pas les débloquer, on n'a pas assez de jetons. Si, par contre, il y a des DLC ultra intéressants... What? C'est quoi ce délire? Ghost Spider? C'est un délire! Il est moche, mais il est pas... Il est très bizarre. Il est très, très, très bizarre. Bref, s'il y a des DLC intéressants, pourquoi pas les faire? C'est vous qui décidez en commentaire comme d'habitude. Et j'ai quelques points à m'attribuer, chose qu'on va faire de ce pas. Alors, on devait débloquer ça, me semble-t-il. Voilà, et ensuite, ceci. Et il me reste un point, pourquoi pas le mettre un petit peu où on veut. C'est-à-dire là, ça ira très très bien. C'est parti, la fin du jeu. Je pense qu'on va le terminer avec ce costume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve tellement stylé, le Iron Spider. On y va, on passe la porte de la fin. La porte qui conclut notre aventure. 25 épisodes, il aura fallu sur ce Spider-Man. Mais quel pied on a pris tous ensemble. On y va. On a fait un miracle, docteur. Mais maintenant, je dois le détruire. Avec une de mes petites créations. Ça donne avec la musique, tellement stylé. Oh oh oh. Une fois de plus, nous avons des images du maire Osborne en direct, retenu en otage sur le toit de la tour de camp. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question! Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Ah ah. Dis-leur ce que tu as fait. Jamais! Ah, toute ta vie repose sur des mensonges! Des mensonges! Ah!
Tu as volé ma société, mes idées. Dis-leur la vérité. La vérité. D'accord. La vérité, c'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. Donnez-moi le sérum. Otto! Votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. Ok, nous voici dans l'arène finale! Wesh! Laisse-moi parler! J'ai pris ma part! Aïe! Mais... Attendez, aïe! Mais c'est pas vrai! J'ai même pas le temps de parler, j'ai le temps de rien faire avec ces conneries! Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Allez, ça dégage. Donnez-moi le sérum! Allez! Enculé gratuitement! Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborne! Ok. Il finit toujours par ok, c'est bon. J'ai trouvé son point faible. Désolé, fallait que j'analyse les patterns. Je pense qu'on va mourir. Parce que va falloir le faire trois fois. Et je ne pense pas avoir le pouvoir de le faire trois fois. Voilà. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Là, c'est hit and run. Oh, j'ai même pas réussi à le faire à temps. Ça ne tiendra pas. Okay. Je connais vos points faibles. Je n'ai aucun Allez. Point faible. Ouais, bah, je suis en train de te fracasser tes chicots, frérot. Mon cul, t'as pas de point faible. Ok, on revient dans l'arène au calme. Ok. C'est pas mal ça. Ok. Là, faut faire que des roues, hein, les frères. Hein. Aïe! Bon, faut le faire au bon moment. Il suffit pas de le spammer, ça ne fonctionne pas. Oh là là. Waouh! C'est terrible, c'est terrible! C'est terrible! Ok, troisième fois. Ça devrait être bon. Et on devrait passer à une nouvelle phase du combat, je pense. Fini de jouer. Ok, à l'aide de vos toiles et de vos gadgets, ça c'est fait. Deuxième phase. Ok, vite. Très bien. Quoi? Mais... Ok, on peut pas savoir tant qu'on n'est pas tombé dans le trade. Ok, je pense que c'est ça le point faible, clairement. Donc cette fois-ci, il faut lui envoyer un objet... Et le mettre à terre. Ok. Non, c'est trop. Pour mourir. Il leur faut le sérum. Et vite. Mais j'ai esquivé. J'ai esquivé à la perfection. Il y a eu l'animation. Je mens, je mens. Ok. Bon, on va essayer de le refondre un petit peu pour voir jusqu'où on peut aller avec si peu de vie. Mais ça me paraît trop compliqué. Hein. Ok. Laissez-moi sauver la ville. Ensuite, on fera ce que vous voudrez. Je sais déjà ce que je veux. Oh, dommage. Avant que je ne te fasse même... L'idée était pas mauvaise. Je suis mort, voilà. Bon, l'idée était pas mauvaise de lui envoyer. Je crois que je lui ai paralysé deux tentacules, mais je suis pas sûr. Allez, dans le doute, on va réessayer des choses. Mais là, je vais passer beaucoup plus de temps à esquiver. On chose a pas qui manquait un petit peu tout à l'heure. Je rendrai l'antisérum. J'ai esquivé ou pas je... okay, aura payé pour ses crimes. Ok. Ok, on peut y aller. Allez, première phase. Donc, va falloir le faire trois fois pour qu'il change d'attitude. Pour que je lui envoie un objet. Pas évident. Voilà. Ok. Donnez-moi le sérum. Allez. Ça va. Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborne. Non. Il finit toujours. Voilà. C'est bon. Deuxième phase. Aucun souci. Pour l'instant, c'est très très simple. Et c'est là où j'avais perdu trois quarts de ma vie. Donc, clairement, je vais.
Oh là là, j'ai pris ou pas? Non, c'est bon, j'ai pas pris. Là, j'ai pris par contre. On se soigne, comme ça, ni connu. J'ai de prendre trop de domaine. Je vois que tu as un nouveau costume. Ça ne t'aidera pas. Ok, c'est bon. Allez, on y retourne. Troisième phase. Fini de jouer. Vite. Ok. Ça y est. Et on y va. BAM! Oh, c'est tellement stylé! Désolé, mon auto, je t'aimais bien, frérot. Ok, ok, oh, excuse-moi, bah, je t'aimais bien. Pas autant que ça. Je soignerai la ville une fois que j'aurai fait mon frère. C'est la merde pour tout le monde par ici. Ok, on est reparti. Allez, on en était ici. Tout à l'heure, à notre mort, me semble-t-il. Non, je crois que j'avais touché encore. Une autre fois. Aïe! Bien joué. Laissez-moi sauver la ville. Ensuite, okay. On fera ce que vous voudrez. Je sais pas ce que ça sert à quoi, le pouvoir de la tenue. Maintenant, dégage de mon chemin. Okay. Avant que je ne te... Allez, deuxième fois. Et ça dégage. On récupère sa vie en parallèle. Oh là là, bien joué ça, ce petit coup un peu de snipe. Okay. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Je peux toucher trois fois, puis on change de phase, voilà. Là, on va encore changer, je pense qu'il va prendre de la hauteur, je vais devoir lui renvoyer un de ses obstacles. Aucun problème. Ah, il n'est pas fini de jouer. Je veux pas aller à ta tour. Okay. Wow, bien joué. Aïe, 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 aïe. J'ai pris ma part. Ok. Ok. Dites-moi où est passé l'homme qui voulait aider les autres. Ok, c'est bon. Ce loser. Ah, cette fois-ci, c'est 4 fois. Je m'égare ou je... Ok, il a l'air de changer de position. Ouais, c'est bon. Allez, c'était 4 fois. Très, très bien. Mais... Non, s'il te plaît. Oh, m'accroche-toi, frérot, fais un effort. Ok, c'est bon. Boum. Qu'est-ce que tu... Je suis tellement déçu. Par... Vous le saviez? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez? Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi! Ça n'est encore plus pour moi! Encore plus! Il y a sûrement une centaine de morts avec les gens en bas, hein, mais bon, ça, on va ignorer. Pour les bienfaits de la fin du jeu. Ok, carrément un fight ici. Ok. Oh là là, c'est tellement stylé. Ok, pas de barre de vie, là il y a juste à esquiver, c'est un petit combat sympa. Voilà le petit côté un petit peu Hollywood, on adore. Et ça rend les choses tellement classe. Allez, ça dégage, hein. C'est terminé pour toi, Otto. Et ben voilà, trois fois déjà. Ah non, t'es gourmand, ok. Excuse-moi, Otto. Pensez à l'homme que vous étiez. Cet homme n'est plus.
Tu ne peux pas me sauver, Peter. Dans ce cas, vous devrez vous sauver tout seul. Ok, on est reparti. Hop, petite esquive, double esquive, triple esquive. J'ai pris ma part. Vous êtes chez moi. C'est pas grave. Oh, c'est tellement beau, putain. Et ouais, Otto, t'étais mon héros. C'est tellement stylé. Aïe. Aïe. Ok. Là, alors ça dirait pas. Là on dirait pas, mais croyez-moi que il y a de l'esquive à faire. Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué. Juste meurtri. Attends, arrêtez. Voici ta dernière leçon, Peter. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras ! Ah, je serai piégé dans ce corps inutile ! Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Tu te souviens? Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter!
Il est viable. Mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir mon neveu. Tu savais ? Depuis longtemps déjà. Je voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. C'est tellement poignant, les amis. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression de mater un film. Alors ? Salut, Mary-Jane Watson, rédactrice adjointe. Hé, hey, bravo ! Merci. Je savais que tu y arriverais. Et toi alors ? T'as trouvé un job ? Ah, non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Hmm ? Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... tu es un scientifique et tu es doué. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé a créé un monstre à huit pattes qui a failli détruire la ville, alors... Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair.
Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper ? Ah, non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah. Sinon, tu peux aussi dormir chez moi. Enfin, si tu veux. Non, enfin je veux dire, oui, parce que... Je dis pas que j'en ai pas envie, hein. En fait je trouverais même ça super, mais... Tu veux bien ? J'en ai toujours eu envie. Moi aussi. Et c'est la fin de notre aventure sur Spider-Man. J'en ai encore des frissons, je vais pas vous mentir. C'est incroyable. Je sais même pas quoi vous dire. J'ai tellement kiffé faire ce let's play avec vous. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Le début de l'aventure était un petit peu long à se mettre en place, on va pas se mentir, hein, pour atteindre cette célèbre deuxième partie où tout s'enchaîne. Et on a pris le temps d'aimer, on a pris le temps de vagabonder, de résoudre des crimes, de débloquer des tenues, mais sans regret, incroyable. J'en ai encore des frissons, je vous le promets, je vous mens pas vraiment, j'ai encore des frissons de tout ce qu'on vient de voir là. C'est magnifique, j'ai kiffé. La timeline de ce Spider-Man là, la tenue aussi exclusive est juste énorme. Donc l'araignée en blanc et bien évidemment le classique bleu et rouge. C'était un putain de délire, ils ont pensé à tellement de choses. Il y a tellement d'activités qu'on n'a pas faites, des quêtes secondaires. Il y a tellement de tenues qu'on n'a pas débloquées. Ils ont pensé à quasi toutes les tenues les plus importantes de l'univers Spider-Man de Marvel. Donc clairement... incroyable. Si les DLC sont à la hauteur de ce jeu, je pense que vous reverrez du Spider-Man très bientôt. Et je le dis toujours avec cet accent américain parce qu'on adore être américain par ici. En tout cas, j'espère que cet épisode, tout comme moi, vous a fait frissonner. Si je dois entre guillemets noter ce let's play, écoutez, de toute façon, si je l'ai fait, c'est que quelque part j'avais envie de le faire. Mais clairement, il se place dans le top list. Pas numéro 1, pas numéro 2, pas numéro 3, mais au moins dans le top 5 ou top 10. Parce que j'ai fait tellement de let's play que j'ai vraiment kiffé. Mais j'irai dans le top 5. C'était un pur bonheur, un pur plaisir. Chaque cinématique était un véritable kiff à regarder, vraiment. Le jeu est beau, le jeu est bon. Et c'est un bon Spider-Man, donc clairement... Bravo Sony, merci pour cette exclusivité incroyable, merci pour ce jeu incroyable, Insomniac Games aussi. Beaucoup de gens avaient peur parce que bon, Insomniac Games a fait des jeux en dents de scie, hein, des très bons jeux comme des jeux plutôt moyens. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Franchement, magnifique. J'aime beaucoup Spider-Man, c'est un de mes super-héros préférés. Mais là, ils ont réussi à me faire encore plus kiffer le personnage, vraiment. Parce que bon, il y a eu des films très médiocres, il y a eu pas mal de choses autour de ce super-héros, dont des jeux hein, très médiocres. Mais là, les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Nickel ! Rien n'a changé. J'espère que cette aventure vous a plu. C'était intégralement en 2K, 60 FPS, et franchement, ça vaut le coup. Vivement la suite, vivement Red Dead 2, vivement Resident Evil 2. C'est un pur bonheur, et vu que c'est du Marvel, je pense qu'il y a une suite après la fin, histoire de nous teaser un peu. Je suis pas expert en la matière, mais c'est peut-être ta façon de lui demander. Je crois que je suis trop nerveux. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça ? Ce serait très bien ici. Ok. Peter ? Ouais ? Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute. En fait, il m'arrive des trucs bizarres. Genre physiquement. Ah. Ah ! Oui. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer que... Eh bien, par endroit, tu... Pas ça. Je crois...
Je crois... Guy, vaut mieux que... Que je te montre. Ouais, je vais te montrer. Non. Tu trouves pas ça bizarre? Pas tant que ça. Aïe, aïe, aïe! Ça y est! On a deux Spider-Man! Incroyable! C'est le kiff! J'ai encore des frissons. Voilà, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt pour la suite de Red Dead et pourquoi pas un ou deux DLC de ce jeu. C'était juste fou. Je t'aime, mon fils.